depuis hier, il est possible de recevoir sa deuxième dose de vaccin dans un lieu différent de la première injection. Oui, par exemple, près de chez vous pour la première et sur votre lieu de vacances pour la deuxième. Nouvelle disposition pour que la campagne vaccinale ne s'essouffle pas. À Quiberon, dans le Morbihan, où Élise Dangean s'est rendue pour Europe 1, eh bien ça fonctionne. La première s'est bien passée ? Oui, très très bien. Super. De quel côté vous voulez que je passe ? Bras gauche. Bras gauche ? Oui. Le bras à piquer reste le même, mais dans un centre de vaccination complètement différent. Pour Loïc, 21 jours et 500 km séparent sa première injection de la deuxième. Première dose en région parisienne. J'avais prévu ma deuxième dose dans le même centre. Et comme ils ont raccourci la durée entre deux injections, c'est tombé là pendant mes vacances, donc j'ai profité d'avoir un peu de temps libre. Hubert, lui, a eu sa première dose à Paris, alors qu'il vit à Lyon et passe ses vacances en Bretagne. Autant dire que la mesure était faite pour lui. J'ai sauté sur l'occasion, ça m'évite de faire des allers-retours dans tous les sens, sachant que j'avais prévu les vacances depuis quelques temps. Quoi. Pour l'heure, le nombre de vacanciers venus se faire vacciner est assez faible, mais il pourrait bien grimper en plein cœur de l'été, ce qui n'inquiète pas Pascale Salinas, coordinatrice du centre de vaccination de la Presqu'île. On est prêt à s'adapter en fonction de l'affluence. On a des locaux assez importants, donc s'il faut, on peut rajouter un poste de vaccinant. Donc on est prêt à accueillir tous ceux qui viendront se faire vacciner à Quiberon. Et pour ça, le centre compte sur sa centaine de bénévoles et ses 80 soignants. Élise Dangean depuis Quiberon pour Europe 1.